That I made by myself, oh, and I always do the wrong thing. Hello ma famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien par la grâce de Dieu. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, mes sisters, je commence déjà mon ménage de printemps. Donc, il commence à faire beau. Regardez le soleil. Ouh. Voyez là? Donc, il commence déjà à paraître un peu bon. Beau au niveau soleil qui commence à venir. Mais côté température de neige, nous sommes encore dedans, vous allez voir tout à l'heure. Donc là, mais c'est ça. Après la tempête de neige, qui s'est passé, on a eu peut-être 2 jours de neige. Il y avait la tempête avant-hier et ensuite hier aussi, il y avait la neige. Donc là, ce matin, je me suis réveillée, j'ai pris soin de moi, ma douche, tout, voilà la routine. Et j'ai attendu aussi que tout le monde se réveille parce qu'il y aura du bruit dans la maison. Donc, c'est un gros ménage que je veux faire. Je vais commencer par enlever la neige au balcon. Comme ça, ça va me permettre déjà d'éviter le blanc sur le balcon, là. Voilà, et après, on va se motiver. Je vais nettoyer mes canapés, le tapis du salon, de la table à manger, le tapis. Je vais nettoyer les chaises, les murs, voilà. Et en fait, je vais faire un grand ménage. Je vais déjà commencer avec mon ménage de printemps, c'est ça. Donc, sans plus tarder, si chez vous, il fait déjà comme un beau, vous n'avez plus de neige, ma chérie, tu peux déjà commencer à faire ton ménage. Parce que après là, quand la neige va finir chez nous ici, on aura l'extérieur attaqué. Et vraiment, si j'ai le temps, je vais vous faire ma liste en fait de ménage que j'ai déjà préparé pour la maison et l'extérieur. Voilà, comment est-ce que je vais commencer à faire. Donc, j'ai déjà fait mon planning pour m'organiser. Et hier soir, j'avais déjà fait ma liste de nettoyage, ce que j'aurai à faire aujourd'hui. Donc voilà, crayon, il est tombé derrière, on dirait. Donc j'avais mis ma liste ici pour le ménage. Et quand j'ai quelque chose, souvent je note. Je note ici. Cocher au fur et à mesure ce que j'ai à faire, ce que j'ai déjà fait. Sinon, moi, je suis motivée. Je suis vraiment motivée, sachant que mes enfants, c'est la semaine de relâche. Ils sont à la maison. Bon, j'espère qu'ils vont me laisser travailler. Qu'ils vont me laisser travailler, mais vraiment, rien ne va m'empêcher aujourd'hui. Je veux vraiment faire mon ménage à fond. Je vous montre l'état de mon balcon avant. J'ai aussi mon ami qui est là. Il vient me rendre visite chaque matin, bon, disons au moins 3 à 4 fois par jour. Et donc, regardez l'état de mon balcon. Voilà. Et là, mes sisters, je vous montre après avoir enlevé la neige au balcon. Voilà. J'ai enlevé comme ça. C'est ça. J'ai bien vidé. Ok. Donc, on va aller là-bas, je vais aller vous montrer comment est-ce que j'ai enlevé aussi sur les escaliers. Hop, hop, voilà. J'ai enlevé aussi ici sur les escaliers. Donc, vous voyez, il y en a beaucoup ici. Ils sont encore pleins. J'ai sorti ce champigneuse pour nettoyer les chaises et les canapés. Voilà. Donc, dans la cuisine, j'ai pas des assiettes. Ça, j'avais fait mon ménage hier soir et là, il est 10h, voilà. Il y a 2 bols ici que les petits ont pris le petit déjeuner. Là, cet aspirateur, je vais la vider. J'ai passé l'aspirateur hier soir, regardez la saleté. Et on va nettoyer ça aussi. Donc, je vais remplacer le sac poubelle parce que j'ai jeté la poubelle. Voilà. Donc, on va remplacer le sac. Là aussi, je viens de sortir cet aspirateur pour les tapis. Et voilà, j'ai déjà mis mes produits ici que je vais utiliser pour les aspirateurs. Et ça, c'est le bicarbonate. Maintenant, et donc là, on va enlever la décoration au salon, les coussins, on va tout nettoyer. Voilà, enlever tout ça. Voilà, c'est parti pour le grand ménage.
Mais Sista, pour vous informer aussi que hier soir, j'ai fait ma routine du soir comme d'habitude. Je n'ai pas voulu éviter cette routine du soir parce que ce matin, ça va vraiment m'aider parce que j'aurai pas le sol à faire, j'aurai pas la vaisselle à faire, j'aurai pas à nettoyer la gazinière. Tout ça a été fait hier soir. Voilà, donc aujourd'hui, je vais nettoyer à fond les canapés, comme je vous ai dit, les tapis, les chaises, hein, et je vais commencer aussi une partie du mur à nettoyer. Là, je suis accompagnée de papa. Il est en train de m'aider à ajuster les chaises qui commençaient à bouger. Ensuite, il va passer l'aspirateur sur les chaises et moi, je vais continuer. Là, j'ai ramené mon tapis ici pour que je sois à côté de papa. Mais ça fait du bien oh, quand quelqu'un t'aide là. En tout cas, faut être là pour lui. Oh. Donc là, je vais commencer à mettre le bicarbonate sur le tapis. Voilà, je vais laisser ça au moins quelque chose d'une heure. Et pendant ce temps, je vais commencer déjà à enlever les coussins sur les canapés. Et je vais commencer à passer l'aspirateur sur les canapés. Déjà, Monsieur Star, je vous assure que la saleté qui sort là, pas possible, Monsieur Star, je vous assure. Mais c'est vraiment important de passer l'aspirateur en fait. Je trouve que c'est mieux avant de commencer le nettoyage de la championneuse. Sista, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Moi, c'est Karine, maman de quatre garçons. Et donc, sur ma chaîne, je partage la motivation ménage comme aujourd'hui. Astuces, deals. Je fais aussi la décoration, les recettes. En tout cas, Sista, c'est la vie de maman en général. Et si c'est un contenu qui t'intéresse, surtout, n'hésite pas, abonne-toi et sonne à la cloche de notification. Comme ça, tu vas rien manquer de mes prochaines vidéos. Et si la vidéo te plaît, n'hésite surtout pas de partager, de liker et surtout de me laisser un commentaire. Ça me fera vraiment plaisir de te lire. Je vous fais des gros bisous. Que Dieu vous bénisse. On continue avec la vidéo. Regardons les canapés au tout début, on peut se dire que c'était pas trop sale, mais je vous assure que regardez la saleté dans le championneuse, nécessaire, vous allez voir que c'était vraiment sale. Et la partie haute, en fait, je vais juste prendre mon chiffon microfibre, je vais mouiller avec du vinaigre blanc et je vais venir essuyer comme ça. C'était pas, il n'y avait pas des taches en fait, juste essuyer parce que vous savez, les enfants ils peuvent manger quelque chose et les mains étaient sales après, ils sont sur le canapé. Donc voilà, je vais vraiment essuyer. Et je vais aussi appliquer du vinaigre blanc de ce côté-ci. Il y avait quelques taches, mais ça ne partait pas. Donc, je vais vraiment essuyer comme ça, très fort. Et aussi, pensez à essuyer la partie dorée du bas. Voilà, donc là, je vous montre la tache qui ne voulait pas partir. J'ai vraiment insisté et finalement, c'était parti. Voilà. Mais Sista, après avoir nettoyé les canapés, regardez-moi ça, la saleté là. Donc là, je vais aller vider la championneuse. Ensuite, je veux remplacer encore de l'eau avec le produit pour commencer à nettoyer mes chaises maintenant. Donc là, on va attaquer pour les chaises. C'est parti, la même chose. Hein, donc voilà. Avant, mes sisters, je vous assure que j'avais vraiment l'énergie, je peux tout faire, même je me multipliais, j'avais la force. Mais là, ça fait un moment, j'ai plus la même énergie. Donc du coup, je préfère faire petit à petit avec mon planning d'organisation, ça m'aide beaucoup. Mes sisters, quand je faisais le montage de la vidéo, pour éviter que la vidéo elle soit trop longue, donc du coup, à la deuxième partie, c'est là où que je vais vous partager en fait mon planning de ménage que j'ai programmé jusqu'à l'été pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur de la maison. Ça sera mieux parce que
sinon la vidéo elle sera trop longue et puis ça sera pas bon. Et donc là du coup mes sisters, j'ai commencé déjà à passer l'aspirateur sur les tapis, je suis en train de scier aussi la table à manger, voilà, j'ai enlevé le bicarbonate, je nettoie comme ça, c'est fait, et après je vais nettoyer avec mon championneuse. Là, c'est parti pour le nettoyage des tapis. Donc, je suis en train de nettoyer. Mais si c'est ça, en regardant, on peut dire que c'est pas sale, ça va. Mais je vous assure qu'après avoir nettoyé, regardez la saleté. J'ai perdu aussi pas mal d'images dans cette vidéo. Donc là, regardez le tas de mon championneuse après avoir nettoyé les tapis. Mais si c'est ça, c'était vraiment, vraiment sale, je vous assure. Donc après ça, je vais la nettoyer. Ensuite, vous allez voir que c'était vraiment la cata là. C'était la cata, c'est pour ça que c'est vraiment important de nettoyer nos tapis, mes sisters. Et donc là, regardez maintenant l'état après avoir nettoyé mon championneuse. Alors ça, c'est le bas que je vous montre. Voilà, donc j'ai nettoyé comme ça. Donc pas vraiment en profondeur parce que j'ai pas encore fini avec mon ménage. Et maintenant, je vais attaquer les murs. Voilà, donc comme je vous disais que j'ai perdu pas mal d'images, moi je croyais que ça filmait, il y a d'autres endroits ça n'a pas filmé, la fenêtre de l'autre côté je l'avais déjà fait. Et donc là maintenant il y a Nolan aussi, il voulait dormir, papa il est sorti avec les grands, donc on était resté qu'avec Nolan. Et il voulait pas dormir, faire sa sieste pour ne pas que je m'arrête, donc je l'ai mis au dos et puis il continue. Parce que si je m'arrêtais là c'était mort, mais c'est ça, ça veut dire que j'ai abandonné, je suis comme ça. Je préfère tout faire en même temps. Donc, du coup, le grand, il est là sur mon dos. Et maman, elle fait quoi? Elle nettoie. Une fois que j'ai fini de nettoyer les murs, les fenêtres, maintenant, je vais attaquer. Je vais passer l'aspirateur. Ensuite, je vais remettre mon tapis et... Là, après avoir nettoyé, je vous assure que ça sent juste le propre dans la maison, tout brille avec le soleil qui commence déjà à frapper mes sisters. Et dehors, regardez mon balcon, la neige est déjà partie sur le balcon, ça veut dire que là dehors là ça va aller très vite aussi. Et donc là maintenant je vais commencer à remettre les coussins à sa place sur les canapés. Et ensuite, je vais aller aussi ranger les chaises. Après, ça sera terminé pour la vidéo d'aujourd'hui, mes sisters. Maintenant, je viens de mettre la table au salon, la table basse. Je vais juste passer un coup de chiffon avec mon chiffon microfibre et faire la même chose sur la table à manger. Aussi, essuyer, j'ai ajusté en fait ma table à manger. J'ai enlevé la partie du milieu et je l'ai réduit comme ça. Je trouve que là, c'est bien. Ça ne me prend pas trop de la place. Et quand je mets mes chaises aussi, ça rentre vraiment bien sur le tapis. Voilà. Là, mes sisters, regardez, après avoir nettoyé la maison, elle est toute propre. Voilà. Et donc, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous dis un grand merci. Que Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, la vidéo, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que ça vous a aussi motivé de commencer votre ménage de printemps. De mon côté, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.